vidéo aujourd'hui encore vacances, BS et école. Yacine, réveille-toi. Younes, réveille-toi. Oh, salut la famille, j'espère que vous allez bien. La soirée d'hier, elle était incroyable. Vous allez vivre avec nous cette dernière journée de vacances. C'est parti. Dans les vacances, j'ai un petit déjeuner de reine. C'est pas comme dans l'école, je dois faire vite et tout. Là, je peux prendre tout mon temps, j'ai jusqu'à 14 h pour manger. Pendant que les Yacine, eux, ils sont en train de dormir. Moi, plutôt, je vais prendre un petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, moi, je vais bien prendre des Oreos. Les gars, c'est la base. Qui prend pas de petit déjeuner Oreo en vacances? Genre, les vacances, c'est pourquoi? Parce que genre, tu peux te lever tard. Le gars, personne peut te dire, lève-toi, l'école a fermé, il y a le bus qui passe. Alors, à ce qui paraît, madame, après un bon petit déjeuner, on va aller à la piscine, les amis. Parce que les vacances sans piscine, est-ce que ça existe des vacances sans piscine? Non, ça existe pas. Vous faites quoi si vous n'allez pas à la piscine en vacances? On va aller à la piscine pour voir qui de nous deux se débrouille le mieux pour notre dernier jour. Après, il y aura toute une année d'école et d'hiver. Faudra attendre un an pour repartir à la piscine. Myriam, on va profiter pour vous, vous inquiétez même pas les reines. Je vais proposer des défis à Younes et Myriam. S'ils réussissent les défis, les pros des vacances, les défis auront de 1 à 4 étoiles. Pour réussir le défi numéro 1, il va falloir sauter à l'intérieur du donut. Oh, incroyable! Sans toucher le donut. Myriam va s'en charger pour le premier, donc ça c'est le défi 1 étoile. Myriam, est-ce que t'es prête? Ça veut dire celui-là, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Défi validé. Les gars, c'était vraiment une étoile. On va laisser le deuxième étoile. Défi numéro 2, donc Younes, avec ton maillot de l'Allemagne et ton pantalon de Sinbad, tu vas devoir rentrer en plongeant dans la piscine. Ok, c'est moi, je lance l'eau. Et mentalité allemande. Vous connaissez, c'est mon gars Bakari, mon gars. Oh, défi validé. Moi, je suis big boss à la piscine. Je suis vraiment le rebeu que je pense être. On voit le deuxième défi, mec. Deuxième défi pour Myriam, je vais mettre une frappe et Myriam va devoir l'arrêter au cage. Alors si Myriam est forte au goal, elle a ramené une balle, les reilles. Myriam, tu penses que tu vas assumer d'arrêter sa frappe? Ouais, je dois l'arrêter dans l'eau? Ouais, vas-y, fais une bombe, va dans l'eau, fais une bombe. Je peux pas, je peux pas une bombe. Si, fais une bombe. Elle est trop froide. Bah fais un plongeon, au moins un truc, frère. C'est les vacances, c'est la dernière journée, faut profiter. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui est fait? Je suis un pro, je suis un pro. Vas-y, fais-lui ta frappe, fais-lui ta frappe. Ok, il place son ballon. Recule, recule, recule. Recule, mec. Attention à la frappe du joueur français. L'arrêt du gardien. T'es une pro aussi, sérieux. C'est de la triche quand t'es dans la piscine. T'as de l'élan, t'as des pulsions. Tu fais comme les goals pro. On passe à les goals pro, vraiment. Regardez comment on rentre dans l'eau de manière stylée. C'est quoi cette surprise? Bon, la peine, tu vas pas l'arrêter. Mets-toi en place, Manuel Neuer. Bien placé, je vais quand même la chercher. Oh, la claquette du gardien s'est arrêtée. Ouais. Ah, il va devoir aller la chercher tout là-bas. Attends, je vais faire un truc. Troisième défi, on va voir si Younes c'est un bonhomme ou pas. Tu vas assumer? Ouais, ouais. Monte sur le donut. Non, monte pas comme ça. Tu mets tes pieds dehors. Et je vais essayer de le couler en moins de 30 secondes. Yacine va compter jusqu'à 30. Et si à 30 je l'ai pas coulé, j'ai perdu. Comme ça, genre. C'est parti, 3, 2, 1, go. La grosse, personne peut me noyer une grosse. Non, la grosse, tu peux pas me noyer. Il reste 15 secondes. Elle est trop nulle. Oh, gagné. Eh les gars, c'est incroyable, ma technique, tu montes sur lui comme ça, après il tombe. Allez, on inverse. Maintenant, le requin va noyer le poisson rouge. Là les amis, Myriam va pas tenir plus de 5 secondes, le requin, il va la dévorer. Et on fait comment, à la mode gentil ou à la mode barbare? À la mode barbare. Okay. Oh, il est parti en dessous, le requin. Une balade, je l'ai pris comme une balade, je l'ai jetée. Sûr de toi, et t'es sûr de toi. On va passer au défi suivant. Dernier défi pour voir si vous avez les 4 étoiles et que vous êtes des pros, vous allez devoir nager le plus loin sous l'eau possible. Vous connaissez votre boss. Vu que c'est le dernier jour à la piscine, je vais donner toute mon âme pour réussir ce défi. 2-1, c'est parti. Allez, Younes directement qui va. Est-ce que tu penses qu'il va réussir? Oh, il va réussir. Ah, ok, quand tu tapes comme ça, c'est dire qu'il a plus d'idées. Ah ouais, là quand il fait ça, il a plus d'idées. Oh le tricheur. Viens là Myriam. Ça a été assez facile, franchement rien à dire. T'accordes pas, t'as été jusqu'au milieu de la piscine. Mais c'est la même chose, il restait 5 mètres frère, comme si j'allais pas le faire. Vu que tu parles, fais nous montrer comment tu fais. Fais nous montrer. Mais moi j'ai pas de masse de plongée, du coup je peux pas aller sous l'eau. Va le chercher. Pas d'excuses. Là, enfin des lunettes, là, donc là, il n'y a aucune excuse. Non, il n'y a aucune excuse. Et les gars, qu'est-ce que c'est agréable à la piscine quand tu mets ta serviette comme ça. Oh, mais quand t'as pas de serviette et tu sors, t'es mouillé. Ceux qui ont été en vacances, vous-même, vous savez comment tu cailles. Tu réussis le défi, tu gagnes 50 €. Oh, tu dois aller jusqu'à où? Tu dois aller de l'échelle à l'échelle sous l'eau. Moi, je pense en vrai de vrai, je vais réussir, je suis sereine. Juste au début, genre, faut pas être son essuie jusqu'à qu'il est dans l'eau. Qu'est-ce que vous vous dites chez vous? Mais pour 50 €, j'ai fait son truc d'eau. 3, 2, 1, go. Allez. Dans l'eau. Oh, attention, elle arrive à la réussir. Oui, ça va réussir. Elle va réussir. Remonte, la technique des gros pieds. Remonte. Non, mais c'est trop. Depuis quand elle s'est nagée comme ça? Elle m'énerve, elle est trop fort. Elle a plus à dire. Ah, si elle revient sous l'eau, c'est 100 €. Si elle revient sous l'eau, non, c'est pas 100 €. Ah. Incroyable, avec 50 €, en vrai de vrai, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je pourrais m'acheter une moto. Ou après, dans un les gars, ça va être incroyable. Pour fêter ça, méga bon. Ce qui est est bien en vacances, c'est qu'on a le temps, on n'est pas pressé par le temps et on peut faire ce qu'on veut, les activités, sans se soucier de ce qui va se passer après. Alors qu'à l'école, t'es pressé, le temps il passe vite, c'est relou de fou. Donc là, on va faire un puissance 4 avec Myriam. Je vais t'éclater. Tu commences. Ok, tu commences. 50 € si elle gagne, ça lui fera 100 €. Ok, et par contre, si je gagne, je prends ces 50 €. Non. Si, allez, je joue au milieu. Bah, regardez, Yacine, c'est les jaunes, Myriam, c'est les rouges. Ok, bien joué. Myriam, elle est concentrée à la fin. 54, 1, 2, 3, 4. Non. 100 €. Elle a même pas fait exprès. Et regardez, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Hein. Tac, 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 tac. Et toi, Yacine, t'en avais 3, il t'en manque un dernier. Ouais, il m'en manquait un dernier. Je voulais faire ça, moi, tac. Et là, j'aurais eu le puissance 4. Là, les gars, on va sortir. Est-ce que vous kiffez l'outfit? Parce qu'en hiver, on peut pas mettre de maillot, blouson. Toi, tu préfères quoi? T'es team blouson, manteau? Ou alors team t-shirt, il fait chaud, c'est carré? T-shirt, il fait chaud, d'ailleurs, je suis en t-shirt. Moi, je vous avoue, hein, là, je suis plutôt stylé, mais je préfère l'hiver mettre des gros pulls à capuche. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup de kebab avec tacos, on a un peu de ventre et avec le pull à capuche, on voit pas. Alors que là, c'est grossi, on va le voir direct. Mais là, en vrai, c'est carré. Regardez mon fond d'écran. Oh, c'est trop mignon. Il a même pas voulu faire une belle. Tu sais, au début, il avait fait quoi? Au début, je voulais pas montrer. Parce que l'autre photo, il avait fait. On profite des derniers moments de détente avant la rentrée. On a trouvé un fauteuil massant. Par contre, faut payer 1 €. Donc, je te devrais plus que 49 €. Hein? Je suis un gros rat, je suis un gros rat. Nous avons 1 €. On va tester si ça marche. Ah, ça marche. Oh, ça marche avec des becs de massage. Ça fait des massages? Oh, c'est moi qui regarde à l'arrière. Bouge. Bouge. Mais pierre, feuille, ciseaux. Celui qui reste sur massage. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Les gars, tu dois courir jusqu'à là-bas. J'attends ton tour de massage. Oh les gars, ça fait un massage dans le dos. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ouais, mais on vous a toujours pas dit on était où? On est en Espagne, à Lanzarote, sur une île, c'est incroyable. C'est quoi Lanzarote? Lanzarote, c'est une île en Espagne. Ok, il y a l'Espagne et il y a des petites îles et nous on est sur une île. Et nous on est sur une île au milieu de la mer, après il y a Madrid, il y a Valence. Viens, on va acheter des cadeaux parce que comme demain c'est l'école, il faut ramener des cadeaux quand même. Il faut ramener des cadeaux à la famille. Les gars, là on a une petite boutique, vous allez voir, de l'Espagne. On peut se prendre des petits trucs, vous allez voir, regardez. Là c'est là où on est, regardez. Des petits paysages comme ça, Lanzarote, c'est voilà, c'est ça, Lanzarote. Il y a quoi Myriam alors de bien? Fais voir. Ah, encore des chats. C'est quoi l'illusion? On voit pas l'illusion là. Les chats ils bougent. Les chats... Ouais, ça fait vacances pour le dernier jour, Lanzarote. Fais voir ta tête. Oh, ça te va trop bien, Myriam. C'est bien, genre, c'est bien. Je te promets, ça te va bien. Oh, attends. Toi, j'ai une casquette qui tirait incroyablement bien. Essaye. Oh, incroyable. Ça te fait une déguise de fou. Tu l'achètes? Non. Regardez, les gars, il y a un remix. Pourquoi ils mettent pas ça en France? Remix, c'est au tiramisu? Oh, disons on le prend pour la France. Non. Pourquoi il est passé en France? Waouh, des gigants pots. Regardez ma photo. Oh, regardez, y'a qui? Non, je rigole, y'a personne. On est en train de chercher des petits gâteaux pour prendre en France. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Subhanallah, j'ai vu Yacine. Comment ça, il y a Yacine? Il est pas là. Pas Yacine, qu'est-ce que tu racontes? Wow, pourquoi vous m'attrapez tout le temps? Ça va, on est en train d'acheter des cadeaux pour demain à la rentrée. Ah bien, vous achetez quoi? Je sais pas, on est en train de chercher des cadeaux. Et là, il y a même des boissons de malade. Faut qu'on prenne un souvenir chacun pour ramener en France pour l'école. Et si on ramène un souvenir à l'école, tu penses que nos profs ils vont nous disputer? Moi, mon oncle il vient de me montrer un truc. Toutes les personnes qui auront des retards non justifiés, il y aura une amende de 100 € maintenant. Quoi? À l'école? Ouais, pour l'école. Et toi, t'as intérêt d'arriver à l'heure. C'est pas justifié. Ah, regardez là-haut les bouées de malade mentale. Ouais, mais ça sert à rien, c'est l'école. Là, on est plus proche de l'école que des vacances. Même en vacances. Moi je pense toujours au sport. Si je mange comme un gros, il faut évacuer. Par contre ici en Espagne c'est une dinguerie. Venez voir, je vais vous montre un truc. Les poids, c'est du mensonge. Ici par exemple il y a marqué 3. On est d'accord que Yacine, 3 c'est 3 kilos. C'est au moins, je vous dis au moins 35. Au moins 35 kilos. Première fois que je suis venu, j'ai vu 3 kilos, je me suis dit je l'ai pris, j'ai failli tomber. Ça m'énerve frère. Qu'est-ce que tu fais? Les journées elles passent trop vite, c'est déjà l'heure de rentrer, Younes. Ah ouais, là c'est le pire moment des vacances les gars. Faut faire la valise. Le moment de faire les valises. Est-ce que vous êtes team comme moi? Vous pliez proprement? Ou est-ce que vous êtes... Faut voir comment tu ranges ta valise. Bah je suis en train de plier là. Il y a un sac plastique fait exprès là que ma mère m'a donné. Oh le menteur, il fait comme ça, il pense déjà fait. Arrête de mentir. Eh tu sais quoi, j'ai une dernière surprise pour toi. Fais ta valise et on va faire un dernier foot des vacances. Vas-y, ok. Après c'est l'aéroport mon gars. On est parti pour un détouche, Myriam elle va au cage. Je vais lui mettre un coup du foulard, vous allez voir. Myriam fais gaffe, Myriam fais gaffe. Oh, au-dessus! T'as pas vu que la balle c'était un ballon de plage, elle est trop légère. Il a pas d'esprit, c'est pas de ballon de plage, elle n'existe pas, c'est une balle comme une autre. Incroyable. Oui! Je peux même tirer du rond là, tu vois. Abuse pas non plus. Attends, un coup du foulard de là. Oh, c'est fort. Barre en 30. Elle y est, commencez pas à dire elle y est pas parce qu'elle y est. Avant de partir, Myriam elle a décidé de se faire plaisir, elle a pris un petit Burger King, t'as pris quoi? J'ai pris un sandwich baking, comme ça après je vais aller dormir et après ça va être l'école. Là c'est Burger King, c'est ça hein ouais. On va regarder comment ils préparent en Espagne. Elle est dégoûtée, demain l'école. Regardez les frères, ils sont en train de préparer. Ah c'est nous, on va prendre ta commande. Ok c'est carré, elle a pris 2 burgers. Ah, vous aussi les vacances sont passées trop vite. les vacances ça passe trop vite. On est parti une semaine, on dirait on est parti un jour. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous aussi ça vous fait. Une note de 1 à 10 10 sur 10. Waouh. Après, prépare-toi parce que demain, l'école. La cantine. La cantine. Myriam, les vacances, c'est terminé. Demain, l'école, tu vas te coucher tôt, ok? Regarde-moi bien, tu te couches tôt. Parce que demain, vous allez vous lever à 8 h du matin. Si vous dormez à 4 h du matin, il va se passer quoi? Vous pourrez pas écouter, vous allez dire, oh, mais je suis fatigué. Allez, repose-toi bien. À demain. Et à demain, c'est la rentrée. En vrai de vrai, j'ai envie que la nuit, elle passe vite. Mais en vrai de vrai, je suis trop stressée, je suis trop angoissée. Je sais pas dans quelle classe je vais être. Je sais pas si j'aurai mes amis dans la classe et tout et tout. Mais les gars, en vrai de vrai, j'ai envie que la nuit passe. Et genre, je suis un peu excitée parce que, genre, mettre ces nouveaux habits de l'école, en vrai de vrai, je crois, c'est le meilleur truc pendant la rentrée. Bon là je vais dormir. Le réveil va être dur hein. On se réveille. Allez. On se dynamise. Ça y est, les vacances c'est fini. C'est l'heure de l'école, tu te lèves, tu te prépares. J'ai pas dormi 3 heures. Écoute bien, me raconte pas ta vie. Dans 3 minutes, t'es dans la salle de bain, tu te laves la figure. Allez, go. Une dinguerie, c'est ça que j'aime pas avec la rentrée, j'aime pas dormir 3 heures. On dirait que j'ai dormi 2 minutes. Bon les gars, là, quand pendant les vacances, je me levais à midi, personne me disait rien. Là maintenant, je dois me lever à 8 h ou 7 h. Oh là là, le meilleur moment de la journée. Les gars, les dessins animés, c'est le seul bon moment avant le repas de l'école. Les gars, c'est vraiment le moment incroyable de la rentrée. Myriam, tu veux pas prendre le petit déjeuner? Il y a des gâteaux, des bonbons. J'ai pas faim moi le matin. Mais comment les gars, vous partez à l'école sans manger? Moi, quand j'étais petit, je me prenais une petite brioche, je trempais dans le café, j'allais manger. Genre, tu vas à l'école sans manger. Oh, il y a notre nouveau prof. Mais j'espère qu'il est gentil hein, quand même. Bonjour, je m'appelle Yacine, je suis votre nouveau prof des mathématiques. J'aime aussi le sport, d'où le jogging. Vous pouvez rentrer. Le pire moment quand t'arrives le matin de la rentrée, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Aujourd'hui vous êtes arrivés en cours, on va tester vos connaissances de l'année dernière. Passez chacun votre tour au tableau pour répondre aux questions. Oh les gars, la meilleure technique pour pas aller au tableau. Myriam, tu te lèves, tiens, tu vas au tableau. C'est quoi cette tenue là? Les vacances c'est fini. Viens en short, on est encore en vacances. Là c'est l'école, c'est la rentrée, faut être sérieux. C'est fini cette tenue, d'accord? Les vacances c'est fini. Les vacances c'est fini. Ok, première question. Combien font 6 × 4? Tu vas me l'écrire s'il te plaît. C'est bien, 6 × 4, 24. Première question réussie. Deuxième question, quelle est la capitale de l'Allemagne? Tu vas me l'écrire s'il te plaît. Ok, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, c'est bon. Très bonne réponse, tu peux aller t'asseoir. Oh, incroyable. Incroyable la bonne réponse. Ouais. Calmez-vous, c'est normal d'avoir bien révisé pendant les vacances, encore heureux. Younes au tableau. Mais j'ai pas fini d'écrire. Younes, j'ai entendu parler de vous. Alors comme ça, on a 42 ans, on est encore en CM2. Vous êtes plus grand que moi, carrément. Pourquoi les profs, ils m'aiment pas? Vous comptez faire quoi? C'est quoi ces projets école à vie? Et alors? C'est pas une raison. Bon, répondez-moi au calcul, dépêchez-vous. Il faut assez. Vous écrivez. 42. Écrivez. Répondez à la deuxième question, quelle est la capitale de la France? Monsieur, faut pas crier, je suis plus grand que vous. Quelle est la capitale de la France? Le PSG. C'est très bien, tu peux aller t'asseoir. Comment t'as eu la bonne réponse? Paris Saint-Germain, Paris, je vois pas intelligent, ça fait 7 ans que je fais CM2. C'est une dinguerie. Ok, c'est l'heure de la récréation, vous pouvez aller jouer à la récréation si vous voulez. Mon moment préféré, c'est mon moment préféré, la récréation. La récréation, c'est vraiment trop bien. C'est le seul moment où on peut se détendre, j'avoue, ça passe un peu vite, mais c'est stylé. Pour cette nouvelle année, on vous a fait un terrain de foot, vous avez des balles de foot, vous avez des cages, mais attention, si vous faites n'importe quoi, on vous enlève tout et on vous met des balles en mousse. Oh, c'est la balle à Mbappé. N'importe quoi, c'est la balle de la Ligue des Champions. Eh, viens, on fait un jeu, mais par contre, on laisse personne jouer. Vas-y. Celui qui met la balle dans le pneu là-bas, il gagne. Oh, ok. Attention les amis, petit moment de détente, la tentative et la frappe. Ah là là, je suis trop nul. Ouais, Kylian Mbappé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Arrête de flamber, c'est la chance. Ça y est, c'est fini la récréation, on rentre, on est reparti pour étudier. Allez. Mais je te dis, à chaque fois ça passe grave vite, depuis 7 ans ça passe vite. C'est pas 15 minutes la récréation, c'est 3 minutes. 2 minutes. C'est le moment de la cantine. Oh là là, je suis dégoûtée, je suis passée de manger ce que je voulais à manger à la cantine. Mais les gars, j'ai une anecdote qui s'est passée à l'école. C'était quand j'étais à la cantine, c'était le jour des repas froids, ils avaient distribué des sandwichs et tout. Et moi, je mange mon sandwich et quand je rentre à la maison, après, genre, je vomis, j'avais mal au ventre et tout. Genre, j'ai attrapé une intoxication alimentaire à cause des repas froids. Les gars, c'est vraiment une dinguerie. Mais regardez, ils nous ont donné quoi? Des haricots verts avec des... Mais on n'est pas des prisonniers. Les gars, c'est ça que j'en ai marre avec la cantine. Vous rigolez bien sur nous, les abonnés, hein, vu qu'aussi vous reprenez l'école le lundi 2 septembre. Ouais, c'est vrai. On a 2 questions pour vous, répondez en commentaire. Si vous répondez pas, vous êtes trop nuls. Myriam, première question. 3 + 1 × 4. Si vous répondez pas, ça c'est vraiment grave. Deuxième question, écoutez bien. Léo a 4 bonbons. Il en donne 3 à Julie. Combien il lui reste de bonbons? Répondez à ces 2 questions en commentaire. C'est vraiment grave là. Si vous répondez pas à ça, c'est sûr que vous allez redoubler. Là, t'as mis Léo parce que si t'aurais mis Younes, Younes, il dit jamais de la vie. Donne 3 bonbons à Julie, il garde tous les bonbons. arrête, t'as bien sûr avec moi, tu me chevilles. Younes, il avait trop de chance quand il était à l'école en primaire. Il avait une prof qui kiffait le football et quand il travaillait bien le matin, elle leur disait l'après-midi on fait du foot. C'est-à-dire le matin il travaillait bien, l'après-midi ils allaient au stade, ils jouaient au foot. Ils avaient trop de chance. Non, elle kiffait pas le football, elle faisait du foot en club. Ouais, elle faisait du foot en club. Elle s'appelait Madame Claire Martin. Oh, c'était incroyable. Si vous regardez cette vidéo, vous avez été la meilleure professeure que j'ai eu de toute ma vie. Ce soir les gars, essayez de pas dormir trop tard. Et aussi les gars, il y a une vidéo incroyable qui arrive, mon premier jour au collège, allez la voir, vraiment elle est incroyable. Nous on va vous laisser là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao. Ciao.